Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour savoir comment casser de la bedrock. Alors, ça va être une petite astuce. Je pense en faire plusieurs de ceux-là. Désolé si j'ai une drôle de voix. J'ai un petit rhume. Alors, ici, exemple, on se dit que ça, c'est notre sol de bedrock. On peut même l'agrandir si on veut. Alors, c'est une astuce qui est bien, mais plutôt longue quand même. Elle peut aussi être utilisée hein, pour casser le toit du Nether, vous allez voir, avec facilité. Alors, on prend du Dark Oak Sapling. On met 4 ici. On le fait pousser. Et voilà que, regardez, vous voyez que ça a l'air brisé. Ici, on brise ça. Ici. On remet ça. Flouk. Et là, on se retrouve pris dans ça. Et il y a des morceaux de bois qui ont creusé dans la bedrock, tout court. Alors, vous brisez ça. Hein. Allez, on revient. On refait la manœuvre. Alors, vous voyez encore une fois, ça a fonctionné. Oups. Touk-touk. Floc. Et alors, vous leur faites hein, autant de fois qu'il vous faut pour briser la bedrock. Alors, vous voyez, ça normalement, je pense que ça retourne pas mal toujours dans les mêmes trous et ça en rajoute. Alors, je vous le montrerai bien dans le Nether. Ouais, je crois que je vais le faire. Il nous prend de l'obsidienne. C'est ici. 2, 3. Auront-on un beau nether? Ah ben quand même. Alors vous voyez qu'on se rend autour du nether. Oups. Oh. Ça pourrait faire un problème. Vous devez pas voir grand-chose. On va aller sur le toit directement, ici. On va s'éloigner un petit peu. On va venir ici. Allez, ok, puis de bedrock. Alors, normalement, hein, vous commencez pas par l'étape que je viens de faire. Alors vous creusez jusqu'à la bedrock. Mais exemple qu'il n'y a pas ça là. Exemple qu'il y a cette couche-là ici que nous on veut briser. Alors on place ça ici comme ça. Floc, 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 floc. Notre bon mille. Floum. Oh, faut agrandir quand même un peu. Prendre de la place à pousser ça. Allez. Attendez, j'ai peut-être une petite idée. On va s'amuser en même temps. Parce que normalement, ça marche, hein. Se faire de la place. On va creuser, c'est ce qu'il veut. On va creuser. Je sais pas à quelle hauteur qu'il faut que je le mette, mais.
crois bien que c'est creusé. Alors, disons que ici, c'est bien rebouché. Bon, je crois qu'il n'y aura pas à chialer. Attendez. Ouais, les plus, pas encore. Alors, vous voyez qu'ici, il n'a pas été assez haut. Encore un peu de bord. Je crois que si je fais ça, ça devrait être bon. Le problème, c'est qu'il ne peut pas pousser si on est trop haut. En tout cas, vous pouvez voir que c'est touché. Bon. Il faut remonter un peu. Oups. Mais en tout cas, vous faites ça comme ça. Vous brûlez pas les arbres. Bah, par après, vous pouvez. C'est plutôt compliqué, hein. Faut que vous sachiez à la bonne hauteur où aller. Ensuite, vous pouvez le faire. Bon. Ça va bien quand on fait ça comme ça. Tout se m'énerve par exemple. Bon alors, si je comprends bien, il fallait remonter encore. Remonter pour la peine. Allez, s'il vous plaît. Bon, je sais pas si c'est le brisé de bedrock. Et non. On essaye. En tout cas, vous avez compris le principe. C'est pas bien compliqué, hein. Je veux pas. Là, ça va être emmerdant la vidéo si je continue là. Mais vous trouvez la bonne hauteur. Et les feuilles vont pousser à la place de la bedrock, en fait. Alors, ça va vous faire un espace pour passer et mon trou pour deux sorties là. Alors c'est pas plus compliqué que ça, mais je crois que ça va surtout être utile là, dans le world pour attendez clear allez. Bon. Slash seul, non, peux-tu? Non. Ok. Alors, c'est tout, hein. C'est pas plus compliqué que ça. On peut même défaire le portail. La prochaine fois, on le fera plus loin, vu qu'on a un petit peu tout pété. Allez, au briquet. On va vous montrer ce que ça fait hein, en dessous, parce que c'est bien sûr que on peut pas. Je trouve que c'est pas très très représentatif. Je trouve que ce bois là, il est beau et il brûle vite. Ça va bien. Je sais pas si c'est moi qui suis plus habitué de brûler, mais. Alors vous voyez hein, que au début j'avais cette plateforme, c'était pas là.
Il reste juste ça. Alors, si on aurait continué, on aurait pu éventuellement avoir celui-là ici. Alors, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Dans le Nether, c'est plus compliqué. C'est juste ça. C'est ça qui est plus compliqué. Et à part ça va numéro 1. Alors, merci tout le monde d'avoir écouté ma vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.